anh chơi ông cứ cho ông chung chung ra một cá vẫn to cái đầm đà ca này để vị thì sạm đà ca nơi này cứ dương một to nơi cách được hiện xa đến đầu nơi phù mặt đằng mùi chấm nuôn đài mì tử vi ca bị khất đấy bàn chụp to to và để nâng cả bị sông tăng khôn nhận đào mà đang đọc bởi vì này đài bàn lực lượng ca bị mật sở mình hay một nâng đồng đà ca chụp hiện xa đến đầu làm bị phanh hà ni ông chụp ra xong chụp riệp chụp đồng năng đào kỳ nâng xa thiên đại chân ở bàn chỉ điệp thá nơi tháng ngày này ông chấm ra nâng tâm nà ca thư vừa sạm nà ca tại mùi phật tí cứ là hốt đò mong đọc bì tháng ngày trắng đời nơi rô xìa này ông chấm ra từ riệp chăm là cách bà chung phát tây khăn nông chia chăm bạch bần toàn đàm bây đọc rai bà nhà hà đài nơi xe xo mùi chấm nuôn chỉ cả phật na cứ mất sớm mình dừng bàn sầm ra tâm nói ca sạm na ca môn mong cầm nót tâm bày từ với chung với phía xa đọc ra bài nhà hà phần tay đại sa bài nhà hà bần toàn lúc miền chìm luôn chưa ra đây là mình ai bị phía xa đọc ra chọc ca bị mất sớm mình đi chân này nơi rô xì ni chạm mạch tới tệ với chung với phía xa đâm bày sầm ra hỏi bàn để chạy lẹ nâng bàn đại trạch nơi rô xì ni hãy đi xung phía kỳ nâng sát thiên đại chân chưa điệp hay môn nâng đạo và nhà hà từ phía kỳ đồng bày tình trình của phía xa ông nhập ra xong thuê ca này nòm đó là phía kỳ và nhà hà mùi chùm nôn để khẳng cổng đi nơi được đi dường nâng đạo và nhà hà vì phía xa đánh đau đời phía kỳ vì từ vì cả phía đấy đời lược bánh hà ni mùi ni mùi chạy lệ hời mình tự vì đồng nàng đời mà đang đọc lúc ní cứ nhìn xích nó không cao bằng hành hẹt Paul tộp vinh từ lư ở vây đời chỉ cả có thông qua thư cọc bằng hành hẹt Paul này cả chấm tốt tàu và rồi bằng mình tự vì cả phía khách đấy hời tình tâm đừng ní rồi xin bằng miền hẹt Paul thăm mây đời lược lạng đời mình tự vì đồng nàng đào mà đang đọc bài văn ý mình vì cà phê cái đấy ai lược là đồng bài chúng tôi tỏ vá đi có thể chạy vì phía xa lực bánh hà nụ bàn tay mặt đòn và nọ cứ mình đó là tập hiếp ở phía kỳ từ cà thể chạy đỉnh đầu là bánh hà nì môi cứ cho lăng tràn lực tràn xá đôi cà phê ở vậy để bàn thưa cả vì một số mình tự tế để cho nên xong phía kỳ chỉ điệp hai tận tâm đằng đi ông chấm ra có bàn đằng đằng bàn sắp đạp rồi hơi ông vì xong đây là bọn đồng nàng xạp rể nhá cả vì một số mình thà luôn không biết bầm non thưa thà thì bài ở vậy vẹn bọn tên nâng vị xong tăng luôn nhận đàm mà đang rộng đến ý ni mùi để bàn lực lượng đời mê tử vi cà phía khá đấy nụ tì tại bà sân bờ miền xong ôi đồng nàng xa phía nhá bằng hai nơi chùm hồ rồi bọc luôn ông bì cá đáy luôn miền bầm nông trong ca phụ thả thị bái phía con tâm nâng ca và giao bị viết và giao phải lại khang rọt bạc vì ní nâng nông rương cái đấy nì chia cách bật to ông nhầm rẻ xong anh chơi mê tử vi ca phía khá đấy đàm bày là bằng hai nhầm phía hẹt Paul tương lai này ca chấm tỏ tỏ vào bạc luôn từ tam cả đời này ni mùi này bị xong tăng luôn chế đàm mà đang rọt vào vì ní đài bàn bằng hai ca phía mà xa mình xong chơi
Bong ong mặt trận mẹ vi ka bia kray. Chi mẹ vi đa mẹ đăng rập bini krom bay. Je vous remercie, Monsieur le Président. En effet, je vous ai indiqué hier qu'avant d'examiner au cas par cas les dossiers pouvant poser quelques difficultés dans le cadre des constitutions de partis civils, je souhaitais aborder en général certains points. Il me semble que je n'ai pas le... Je ne suis pas sûr d'avoir le... Je suis entendu. J'aurais aimé faire quelques observations en liminaire qui permettent de couvrir une série de problèmes en ce qui concerne les difficultés rencontrées afin de fournir tous les éléments dans les dossiers des parties civiles. Donc je vous demande l'autorisation de faire ces observations préliminaires et générales. អញ្ជើញបន្តែសូមឲ្យខ្លីបានហើយពីព្រោះមកតែមិញបានមានបញ្ហានេះច្រើនរួចហើយហើយជាការងារមួយដែលជាចំណាយពេលវេលាច្រើនក៏ពីម្សិលមិញ Monsieur le Président, je tenais en effet à faire quelques observations liminaires sur les dossiers de mon parti civil, car il y a des éléments qui me paraissent en effet, qui me paraissent nécessaires de développer d'une manière générale. Deux problèmes en effet se posent. Le lien avec S21, et par ailleurs, le deuxième problème, c'est le lien de parenté, je dirais de proximité. Alors, sur le premier point, je voudrais d'abord indiquer en liminaire. Je pense qu'il ne serait en aucun cas être contesté que les archives de S21 ne sont pas complètes. Certaines ont disparu, la preuve année, dans certains dossiers, nous avons une photo, dans d'autres dossiers, un nom apparaît sur une liste, dans un autre dossier, il existe une biographie et une
Pourtant, nous ne pouvons quelquefois réunir l'intégralité de ces éléments. Ça me paraît déjà être un élément qui nous permet de dire que ces archives ne sont pas complètes. Le second élément qui nous permet de le dire sont les observations de certains témoins. Par exemple, David Chandler, qui a indiqué, puisque lui a étudié très profondément ces archives S21, David Chandler nous dit que ces archives, en effet, ne sont pas complètes. Et il l'a dit notamment lors de son audition, code ERN 003-6-1-7. Certaines parties civiles ont d'ailleurs aussi indiquer la façon dont elles avaient pu avoir accès aux documents, comme le 18 août, Antolia Chulong nous a parlé de sa cousine qui avait pu avoir accès à ses archives en 1979, alors qu'elles étaient couvertes de bâches et à l'extérieur, à Tousling. Donc, il est tout à fait compréhensible que ces archives, en effet, ne soient pas complètes. En conséquence, je pense qu'il nous est possible de dire, et c'est ce que nous demandons à l'autorité de partie civile, que ce n'est pas parce que nous ne trouvons pas de traces de de nos parties civiles dans les archives de S21 que ces personnes n'ont jamais été incarcérées ni écrasées à S21. C'est en ce sens, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, que je pense que votre cour devra examiner les déclarations en effet des parties civiles, déclarations afin de contrôler leur logique, leur cohérence, eu égard au contexte historique et au contexte particulier concernant ce dossier et au vu donc des données pertinentes que nous avons pu recueillir notamment durant l'instruction du dossier et durant ces audiences. À nous toujours sur le point de S21, nous avons entendu à plusieurs reprises l'accusé indiquer, lorsqu'il prenait la parole, qu'il n'admettait pas comme ayant force probante, par exemple, une simple photo S21. D'abord, je tiens à indiquer que ce n'est pas à l'accusé à dire s'il doit admettre ou ne pas admettre telle ou telle pièce. C'est la cour qui dira si, en effet, ces pièces sont recevables ou non. Il n'en reste pas moins qu'afin d'éviter toute difficulté. Les parties civiles de notre groupe, et cela a été le même cas pour les parties civiles des autres groupes, avons demandé à S21 de certifier la provenance de ces photographies. C'est ce que nous pourrons donc examiner au cas par cas. Mais nous avons fait certifier l'existence de la provenance de ces photographies. Par ailleurs, il nous semble que dans certains dossiers, nous avons une photo. Dans d'autres, nous avons un nom sur une liste. Dans d'autres, il y a une biographie. Je pense qu'en effet, il n'est pas nécessaire d'exiger le cumul de tous les éléments concernant les archives de S21 pour apporter un élément probant sur le fait que cette personne a été incarcérée et écrasée à S21. Et cela d'autant plus
សូមលោកស្រីមេធាវីនិយាយឲ្យបានយឺតបន្តិចដើម្បីឲ្យការបកប្រែហ្នឹងបកប្រែភាសាហ្នឹងបកទាន់ឲ្យបានពេញលេញល្អអត់ឮមើលមន្ត្រីតុលាការរៀបមើលប្រព័ន្ធសំឡេងអត់មានបញ្ហាអត់ឮ Il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème, Monsieur le Président. J'ai bien compris ce qui a été dit et je m'excuse de mon débit qui a tendance à être rapide. Je tenais à indiquer aussi que les difficultés qui peuvent être rencontrées dans la recherche des archives de S21 tient lieu au fait que les victimes ont pu ne pas être enregistrées aussi sous leur vrai nom, sachant que ces victimes, selon aussi la tradition cambodgienne, pu utiliser le nom du père ou de leur grand-père. Ou même un nom révolutionnaire dont les parties civiles, pour certaines, n'ont pas connaissance. ដែលដាស់មិនដឹងរដ្ឋវេននេះມັນបានដឹងឬក៏អ្នកខ្លះក៏បានភ្លេចឈ្មោះបដិវត្តរបស់ខ្លួនទៅទៀត Voilà sur ce premier point en ce qui concerne S21. Sur le second point, soit l'existence du lien de parenté ou de proximité. Là encore, je crois qu'il est important d'indiquer un liminaire que nous devons tous tenir compte du contexte historique, culturel, économique, social aussi, et économique de ce pays. En effet, certaines parties civiles ne peuvent produire des actes d'état civil car ces derniers n'ont jamais existé ou ont disparu. Ainsi, les parties civiles ne La situation est d'ailleurs encore plus difficile dans certaines communes, dans certains districts et certaines provinces. Il convient de tenir compte aussi de la situation familiale, difficile et précaire de certaines personnes. Je pense donc qu'il convient de tenir compte de tous ces éléments et je pense qu'il est important à ce stade de rappeler la règle 87 du RIN qui dispose que la preuve en matière pénale est libre. Dans certains cas, nous avons pu et nous pouvons encore apporter des éléments probants concernant le lien de parenté ou de proximité. Cela par le biais d'une autorité compétente, telle le maire d'une commune,
Dans d'autres cas, nous avons produit des témoignages, des attestations de personnes, parents, amis, voisins qui attestent de ces liens de parenté ou de proximité. Dans d'autres cas, il nous semble, et nous le verrons au cas par cas, que les témoignages se recoupent de telle sorte que ce lien nous semble établi sans qu'il y ait besoin d'investigations supplémentaires. Il nous semble qu'il s'agit là d'éléments utiles à la manifestation de la vérité. Tang oh ni keu chea thiet som da somkhan dambei bencheak ampi ka pet robos mukul nimuy nimuy. Reste aussi à aborder la notion, justement, la définition de proche. En effet, la directive 2007/2/REV1 à l'article 3.2c indique que le préjudice psychologique est susceptible d'inclure la perte de proches qui ont été victimes de ces crimes. Un proche peut être, certes, un membre de la famille, mais peut-être aussi un tiers, une personne qui vous a élevé, un ami, un même. Je donnerai pour exemple simplement une citation d'un éminent juriste, Philippe Le Tourneau, qui, en 1970, à l'étude d'un arrêt de la Cour de cassation française, qui, en fait, avait libéralisé la liste des personnes donc pouvant agir, Philippe Le Tourneau avait indiqué que le principe de la réparation du préjudice d'affection est inflationniste. Ainsi, je pense. Qui devront être reconnus à hauteur de leurs souffrances et de leurs attentes. Dans tous les cas, nous nous en remettons à la sagesse de la Cour
Et cela dans l'intérêt de la victime pour la manifestation de la vérité. Voilà, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, les observations que j'avais à faire en une heure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Étant donné que les coprocureurs n'auront pas à rentrer dans le débat concernant chaque partie civile individuelle, nous tenions également à faire part de certaines observations générales dans la même ligne que ce qui vient d'être dit par Maître Truss, qui représente les parties civiles de son groupe, et j'imagine aussi les autres. Que les autres avocats sont d'accord. Effectivement, la preuve est libre en cette matière et il nous apparaît que cette preuve, qui s'applique également à la règle 23, devrait être appréciée de manière raisonnable par la Chambre au regard de l'ensemble des éléments qui sont présentés, de leur concordance, de la cohérence du récit qui est attaché par chaque partie civile à la demande de constitution, ainsi qu'au regard d'autres déclarations des parties civiles qui ont pu être placées au dossier. Notre point de vue est aussi qu'il faut tenir compte dans cette appréciation de preuves d'un certain nombre d'éléments dont certains ont été mentionnés par l'avocat des parties civiles. Premier élément, les faits remontent à plus de 30 ans, ce qui explique effectivement que pour bon nombre de parties civiles, il a été impossible de conserver des documents qui auraient bien été utiles aujourd'hui. Les parties civiles, souvent, pour celles qui ont été entendues, nous ont expliqué que durant la période Khmer Rouge, pratiquement toutes leurs photos, des proches, tous leurs documents ont été détruits. Et malheureusement, ne peuvent plus donc les présenter aujourd'hui. Je voudrais insister également sur le fait que les archives des S21 sont effectivement incomplètes, que de nombreux documents n'ont pu être retrouvés, que d'autres ont été détruits, ou d'autres ont été altérés avec le temps parce qu'ils étaient conservés dans de mauvaises conditions. Or, ce sont ces documents qui ont permis au bureau des coprocureurs d'établir une liste combinée des prisonniers de S21, qui est donc basée sur les biographies, les listes de prisonniers, les listes de prisonniers exécutés et les photos qui ont été recueillies. Cette liste est nécessairement incomplète et l'accusé l'a reconnu à plusieurs reprises, notamment devant les co-juges d'instruction. Les quelques 12 600 personnes qui figurent sur cette liste ne reflètent pas la réalité du nombre de personnes qui a péri à S21. Ce chiffre se situe bien en dessous de cette réalité. Dès lors, je m'étonne quand les avocats de la défense à plusieurs reprises font valoir que parce que le nom d'une personne ne se retrouve pas sur cette liste combinée, il n'y aurait aucun élément de preuve concernant le passage et l'exécution d'une telle personne à S21.
Il me semble qu'il s'agit là d'une attitude qui tire des conclusions hâtives du fait de l'absence d'un nom sur cette liste, alors qu'elle est incomplète. Quant aux actes d'état civil, Chơi đầm nàng tháp rìa nhà to. Quant aux actes d'état civil, Monsieur le Président, il faut tenir compte, effectivement, comme cela a été déjà dit, de l'état des registres. Qu'il soit passé ou de l'état actuel des registres d'état civil. Et ces éléments plaident pour l'admission d'autres types de preuves établissant l'état, l'identité ou authentifiant des documents relatifs à cette identité ou au lien de parenté avec les victimes de S21. Ainsi, je pense qu'il pourrait être tenu compte d'actes supplétifs, d'actes de naissance ou de documents émanant de mères ou même de témoignages de personnes pouvant établir cette identité. Enfin, notre suggestion, Monsieur le Président, parce que la Chambre, à ma connaissance, n'a pas encore donné de délai de date butoir pour les avocats des parties civiles pour rassembler l'ensemble de ces documents. Notre suggestion est que si, effectivement, lors des débats d'aujourd'hui sur chaque cas individuel, les avocats des parties civiles vous disent qu'un certain nombre de documents sont en train d'être réunis, mais ne peuvent être produits aujourd'hui à l'audience, nous voudrions suggérer à la Chambre d'imposer un délai final pour le rassemblement de ces documents afin que, concernant ces derniers documents à produire au dossier, un éventuel débat rapide puisse encore avoir lieu avant la clôture des débats. Voilà, c'est les observations que nous voulions faire à titre liminaire et je ne pense pas que nous en aurons à faire durant les débats sur chaque cas individuel. Je vous remercie. សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យខាងក្រុមពីរផងហើយនិងខាងក្រុមបួនផងហើយជាបឋមខ្ញុំបាទសូមធ្វើការឯកភាពជាមួយនឹងមេធាវីនៅក្នុងក្រុម3ដែលបានលើកឡើងកន្លងរួចមកហើយជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូន អង្គជំនុំជម្រះបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលថា
ដែលតំណងស្រេចញាតរវាងអ្នកដែលដើរមកលឹងរដ្ឋាភិបាលនេះហើយនឹងជនរងគ្រោះនៅឯមន្ទីរស-21វាមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចតំណងនោះឧទាហរណ៍ថាយុវជនម្នាក់ដែលមិនមានឧទាហរណ៍នេះគឺជារឿងជាក់ស្ដែងរបស់កូនក្ដីរបស់ខ្ញុំបាទដែលឈ្មោះដែលមានក្នុង ឯកសារEP/35នោះគឺថាគាត់មានក្មួយគាត់នឹងបានស្លាប់នៅមន្ទីរស-21នោះពិតប្រកាសមែនហើយមានរូបថតទៅទៀតបាទដែលមេធាវីខាងការមេធាវីការពារបានលើកឡើងជំទាស់ហើយបញ្ហានេះគឺថាឪពុកម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះនោះបានស្លាប់អស់ ដល់បានស្លាប់អស់ចឹងទៅធម្មតាជាអ្នកមេធាវីក៏ទៅធ្វើការកត់សម្គាល់ជាទូទៅបានហើយចំណែកឯការបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៃករណីដែលនឹងអធិប្បាយដោយមេធាវីការពារក្តីនោះនឹងលោកនឹងត្រង់ត្រាប់ចាំស្ដាប់នៅបញ្ហាហើយលោកតបវិញនៅបញ្ហាតាមករណីនីមួយៗ មិនកបបីលោកយកមកករណីជាក់ស្ដែងយកមកនៅនីតិនេះជាការសង្កេតទៀតលក្ខណៈទូទៅប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានវរិច្ឆ័យខ្ញុំសូមរងចាំធ្វើការឆ្លើយតបបាទសូមអរគុណអញ្ជើញអង្គជម្រះគុលវិទ្យាទៅមេធាវីការពារក្តីដើម្បីធ្វើការអធិប្បាយតាមករណីនីមួយៗនៃបញ្ហាដែលមានចំពោះ ពាក្យសុំតាំងខ្លួននេះដើមរំនីសូមជើញសូមអរគុណលោកប្រធាននិងសូមគោរពហើយសូមគោរពលោកចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសូមគោរពអង្គសវនាការទាំងមូលខ្ញុំបាទជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតខ្ញុំបាទសូមធ្វើការកត់សម្គាល់សិនមុននឹងលើកចំណុចនីមួយៗមកពិភាក្សា ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ថាជន់ជាប់ចោតបានទទួលស្គាល់អក្រិតកម្មយ៉ាងអស់នៅស-21ដែលមានមនុស្សស្លាប់នៅទីនោះ11,280នាក់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំជាមេធាវីការពារជន់ជាប់ចោតរួមចាំតែទទួល ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់ដែលបានចូលមកប្តឹងតវ៉ាអត់មានបកាយទេប៉ុន្តែការដែលចូលមកតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនេះសូមឲ្យត្រឹមត្រូវធ្វើឡើងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់ទី1ថាតើគាត់មានគុណសម្បត្តិក្នុងការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានឬទេឧទាហរណ៍ បើគាត់ជាប្តីឬជាប្រពន្ធជាកូនបង្កើតជាបងបង្កើតជាប្អូនបង្កើតជាឪពុកម្ដាយអ្នកអានឹងបើឃើញអញ្ចឹងហើយមេធាវីការពារក្តីចាំតែទទួលទេហើយចូលបើគាត់លើកឡើងថាទេគាត់ថាខ្ញុំមានញាតិមិត្តមានមិត្តភក្តិ6នាក់ស្លាប់ហើយអាការស្លាប់នឹងទៀតវាមិនមែនស្លាប់នៅស-21មិនដឹងស្លាប់នៅឯណាផងអុយមកលើកដាក់ឲ្យកូនក្តីខ្ញុំទទួល គឺទទួលយកមិនបានទេនឹងសូមជម្រាបទី2ការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីត្រូវមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាបុគ្គលដែលស្លាប់នោះដែលរងគ្រោះនោះពិតជារងគ្រោះនៅស-21ពិតប្រកបមែនហើយយើងខ្ញុំមិនទៀមទាឲ្យមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងឯកសារចំណោមឯកសារទាំងអស់គឺឲ្យយាយហោចណាស់ក៏វាមានមួយឧទាហរណ៍ថាចូលទៅគេថតរូប អញ្ចឹងវាមានរូបថតបិទលេខនៅហ្នឹងឲ្យមានរូបថតនៅទួលស្លែងមកទទួលយកភ្លាមអត់មានប៉ាកែកទេឥឡូវថារូបថតគេមិនបានថតចុះឬក៏វាបាត់ចុះនេះឲ្យមានចម្លើយសារភាពថាអ្នកកូនខ្ញុំនេះឃើញនេះវាចម្លើយសារភាពនេះអីនេះលើកឡើងនេះគេទទួលយកហើយឥឡូវបើថាចម្លើយសារភាពក៏វាអត់ទៀតអញ្ចឹងបញ្ជីឈ្មោះ
chi chmuh vi mien nung nung ta ba san na chi lâu vi a rup thot ko va ot chamlai sarapheap ko va ot vi mien bichi chmuh muoy nung khong nung mien chmuh inchang vi mien phos tang muoy nung khong nung tatuol yo phliem tatuol yo ban a chob bo vi khmien ai tang os hoy kot che ta tha ao jeung tatuol yo ka dae ne ta nung dae khnyom kat samkol nung khong dam mdang ratthvani muoy chumnuon dae khnyom ban chran chaul doch ne ការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណហើយសូមឲ្យមេធាវីអន្តរជាតិការពារអន្តរជាតិលើកឡើងពីករណីនីមួយៗជើញមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិ Merci monsieur le président. Avant que Maître Canis Arès nous refasse le point, toujours sur ce débat préliminaire, quelques observations. Je remercie les avocats des partis civils d'avoir posé ce débat préliminaire qui est effectivement très important dans cette audience et je suis sensible à l'intervention des coprocureurs. Je suis ravi que les coprocureurs interviennent à ce stade du débat parce que nous sommes sur un problème très important. Nous avons toujours dit, à partir du moment où l'accusé reconnaît sa responsabilité, nous avons toujours dit que nous serions ouverts aux constitutions de partis civils, des personnes qui ont été écrasées à S21. Pour autant, Maître Karsavoud vient de le rappeler, il y a des règles de droit. On dit en latin « dura lex et sec ». La loi est dure, mais c'est la loi. Nous ne sommes pas ici ailleurs que dans une instance de justice. Et nous devons respecter la loi. Les ONG travaillent depuis très longtemps sur ces dossiers. Il appartient aux ONG et, pardonnez-moi, aux avocats des partis civils d'apporter les éléments minimums qui permettront à la Chambre à la fin du jour de décider si telle ou telle personne a bien les critères lui permettant de se constituer partie civile. Et je voudrais juste, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, attirer respectueusement ici l'attention de tout le monde. Nous sommes le premier tribunal international qui accepte des partis civils. Nous avons lutté depuis 15 ans pour arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, les victimes n'étaient pas parties civiles devant les tribunaux internationaux. Nous avons obtenu ce résultat. Mais de grâce, ne gâchons pas ce résultat. N'annulons pas tous les efforts que nous avons faits pour arriver là. Certaines parties civiles, la semaine dernière, sont sorties de leur rôle de partie civile dans cette audience et ont dû être rappelées à l'ordre par le président, par la défense. Nous sommes
en train de réaliser un progrès considérable tous ensemble dans la justice pénale internationale. Et nous sommes donc condamnés à l'excellence. Et je me tourne vers vous, mes confrères de la partie civile, c'est à vous d'apporter les éléments juridiques qui vont permettre que l'on accueille ou non des personnes comme partie civile. Vous savez très bien qu'il y a eu dans ce pays des milliers, des dizaines de milliers de morts, notamment dans 196 prisons du pays. Certaines familles peuvent, de bonne foi, imaginer que leur auteur, leur père, leur fils est mort à S21, et on pourrait s'apercevoir que ça n'était pas à S21, mais dans une autre prison. Qu'aurions-nous fait alors? Nous aurions fait tout sauf du droit. Nous sommes là dans une enceinte de justice. Il y a des règles, Maître Karsavout les a rappelées. Et en observation préliminaire, je tenais à insister sur la nécessité de respecter ces règles. C'est l'intérêt du droit et c'est l'intérêt des parties civiles elles-mêmes. Si demain nous voulons poursuivre dans d'autres tribunaux internationaux l'avancée que représente l'accueil des parties civiles dans ce tribunal. Voilà, Monsieur le Président, nous avons déjà fait la défense hier, une revue au cas par cas. Entre-temps, nous avons reçu de nouveaux éléments, ce qui va dans le sens de l'observation de Mme Jules Calright à mon confrère Werner. Cela veut dire qu'à tout moment, pendant les débats, de nouveaux éléments arrivent. Et que donc, il faut bien que la défense puisse à tout moment répondre. Donc, plutôt que de repasser en revue tout ce qui avait déjà été dit hier, peut-être peut-on demander à Maître Canizares, qui vérifie point par point, de dire quels sont les dossiers que nous avons reçus hier et pour lesquels nous considérons que des preuves suffisantes ont été apportées. Et c'est la Chambre qui décidera. Mais peut-être, sur certains dossiers qui nous ont été présentés hier soir, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que certains constituent des éléments, selon nous, suffisants. Si je peux passer la parole à Maître Canizares. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, comme mon confrère François vient de l'indiquer à la Chambre, des documents nouveaux ont été produits par les parties civiles du groupe numéro 1, notamment, qui hier, après l'audience, nous a donné de nouveaux documents concernant 5 clients, mais également ce matin, de la part du groupe numéro 3, qui nous a remis un certain nombre de documents concernant 4 des parties civiles. Peut-être Monsieur le Président, si vous me le permettez, peut-être remarque préliminaire en ce qui concerne dans la mesure où la Chambre comprendra parfaitement qu'alors que votre audience allait commencer ce matin,
nous avons reçu des documents nouveaux et qu'il est difficile pour nous de prendre le temps de les étudier. Nous avons reçu des documents nouveaux. Cela d'ailleurs me fait penser à une remarque qui a été faite hier après-midi par l'un de mes confrères du groupe 1 qui rappelait à la Défense qu'il lui appartenait dès l'audience préliminaire de faire Mais la Chambre comprendra parfaitement qu'il était difficile à cette époque, alors que de très nombreux documents n'avaient pas été en contrôle pour pouvoir dire de manière certaine et définitive quelle était sa position sur ses conditions de participation. En tout cas de cause, en l'état des éléments, qui nous ont été fournis hier à la fin de l'audience, éléments, je le précise, rédigés uniquement en langue khmère, qui n'étaient traduits ni en langue française, ni en langue française. Il nous était possible de considérer qu'en ce qui concerne deux des Nous maintenons nos objections concernant les autres parties civiles. Sous réserve, je répète, des documents qui nous ont été remis ce matin.
មេធាវីការពារតើមានតែដើមរងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យតែ២គឺឌី25/20និង E2/57តែ២នឹងទេដែលថាមេធាវីដកនៅការចំទាស់តវ៉ារបស់ខ្លួន តែ 2 នឹងទេគឺ D 25/20 ហើយនឹង E2/57 ដែលធ្វើការដកការជំទាស់តវ៉ានោះ En l'état des documents qui nous ont été hier soir produits, Monsieur le Président, nous ne, la défense nous maintient ces objections concernant ces deux parties civiles. Je répète, des 25 et E2 57. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Juste pour indiquer que concernant D25 barre de fraction 20 et E2 barre de fraction 57, donc, nous remercions la Défense pour sa diligence d'avoir en une nuit pu regarder ces documents et venir ce matin avec une position. Nous apprécions cela et nous indiquons à la Chambre que nous allons évidemment déposer une requête pour que ces pièces soient traduites et pour que ces pièces soient versées au dossier. Simplement, la raison pour laquelle elles n'étaient pas traduites est qu'aussitôt que nous les avons obtenues, nous les avons données à la Défense. Mais encore une fois, nous remercions la Défense pour ses efforts. Nous indiquons simplement que sur ces deux dossiers, dès aujourd'hui, nous allons remplir les formalités nécessaires pour que ces documents soient au dossier et soient traduits. Je vous remercie. ទាំងអស់នោះសូមអរគុណអញ្ជើញសូមមេធាវីការពារឡើងអធិប្បាយបន្តមានបញ្ហាអីទៀតហើយហើយសូមជឿជឿជឿរឿងចុងក្រោយណាពីព្រោះត្រូវវេទិកានៃការពិភាក្សាហើយបើនិយាយអ្វីនិយាយអស់មិនដដែលទេបើថាទៅដដែលចុះឡើងហ្នឹងគឺកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ Je vous remercie, Monsieur le Président. Simplement, je voulais indiquer en effet à la Cour que nous avons déposé auprès de la Défense en effet de nouveaux documents ce matin et que, bien entendu, ces documents sont en cours de préparation et nous sommes en train de préparer la requête pour qu'ils soient là aussi déposés conformément aux règles prévues par ce tribunal. Mais nous avons voulu, là encore, puisque ces dossiers vont peut-être être abordé aujourd'hui que la Défense ait ces informations dans le cadre du respect du contradictoire. បានលើកទទួលឯកសារហើយដើម្បីយ៉ាងម៉េចយើងអាចនឹងធ្វើការគោរពទៅតាមគោលការណ៍តទល់គ្នាបានអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីសូមចាប់ផ្ដើមនៅការបង្ហាញនៅហេតុផលទាំងឡាយនៃការតវ៉ា របស់ខ្លួនតាមករណីនីមួយៗហើយមេធាវីតំណាងឲ្យដើមរឿងនេះគឺត្រង់ត្រាំស្ដាប់នៅបញ្ហាហើយឆ្លើយតបមិនអនុញ្ញាតឲ្យតបច្រើនដងទីក្នុងករណីមួយឲ្យតបតែម្ដងទីអញ្ចឹងត្រៀមឲ្យហើយនៅលក្ខណៈសម្បត្តិនៅឯកសារនៅភស្តុតាងនានាដើម្បីតបក្នុងករណីបង្ហាញនៅឯកសារបន្ថែមផ្សេងទៀត
đây bằng pin thay cứ ăn để nhát ao mì từ vi cà phê cái đấy top tay mà đong bình tay mà nọ mình đây chia bàn phạm hỏi thay chia được trong còi hỏi miền bắc hai tiếng lúc này mình thấy cô bị chán à lòng mình mới riệp cùng nết ỏi hơi thạc luôn tất cả chậm nay bị bầm man nị dây bánh hà vây khla nị dây ỏ bị pru về thì cá ní dương man bạc cá tăng bị bực mình chia về thì cá từ bằng hai nơi hạt phal nơi cá to và chậm to là bọc phì kì mình thấy cá bị khất đấy chậm pu bánh hà đầy miền hơi ở lúc này chỉ mình thấy đồng nang ở đâu mà đang rồi vậy ní thưa cá bằng hai nơi hạt phal đầm bay quan trờ nơi bị sóng tam khôn giờ đâu mà đang rồi vậy ní đã bọc cồn khất đây đã bọc luôn hơi bực mình cứ xong sau cá cọt thầm cua lại lên cá cọt thầm cua cứ mùi máu chiêng hơi hơi hạt đôi chỉ bánh hà đọt đai vì ở miền bánh hà ấy tham mây sao đai nòm ở cát láng nơi bánh hà lược láng mà đòn hơi mà đòn thịt nít chỉ lược trong còi nhé Monsieur le Président, il s'agissait simplement d'un problème technique. Pour notre part, en qualité de groupe d'avocats de partie civile, nous avions envisagé, mais je ne sais si ce sera accepté par la Cour et si la Défense y voit des objections, de prendre la parole pour tous les dossiers, groupe par groupe. Groupe numéro 3, groupe numéro 2, groupe numéro 1. Je ne sais si vous aviez envisagé cette façon de faire, mais c'était la solution que nous vous proposions. Si bien entendu, cela n'est pas possible, je m'en remettrai là encore à la décision de la Cour. របស់មេធាវីកាពីឥឡូវនេះយើងមិនបានរៀបចំបញ្ហានឹងទេហើយម្សិលមិញគឺមានការបង្ហាញនៅលំដាប់នៃការជំទាស់តវ៉ារបស់ខ្លួនរួចហើយដូច្នេះអង្គភិសម្រាប់សម្រេចតាមនេះធ្វើជាមូលដ្ឋានហើយករណីនីមួយនីមួយដែលដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យណាដែលមានបញ្ហាគឺសូមមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋនីក្រមនោះគឺត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅបញ្ហាហើយលើកមកទៅជែកវិភាសាតវ៉ាចំពោះការបង្ហាញហេតុផលទាំងឡាយនៃការជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីសូមអញ្ជើញOui, Monsieur le Président, je propose de reprendre dans l'ordre que j'avais déjà présenté hier ma liste, si bien entendu la Chambre est d'accord pour cette présentation.
La défense avait indiqué concernant cette partie civile que le client portait plainte pour l'arrestation générale de la division 310 à laquelle il appartenait en tant qu'ancien soldat Khmer. La défense avait souligné le fait qu'il le plaignant ne visait que des amis et que de surcroît, il n'y avait aucun document dans le dossier pouvant le lien entre le plaignant et les victimes qui auraient été détenues par S21. Je ne rappellerai pas les observations préliminaires qui ont été faites par mes confrères Carsavi et François Roux, mais il appartient aux parties civiles d'apporter des éléments minimums qui permettent à la Chambre de décider si telle ou telle personne réunit bien les critères qui lui permettent de se porter comme partie civile. Au cas particulier, nous estimons que tant dans ce qui concerne les liens de parenté d'alliance que le fait que les victimes aient pu être détenues à S21, au cas particulier, aucun élément du dossier ne lui permet de considérer que ces parties civiles sont recevables à agir. Mais tu vis, សូមអរគុណលោកប្រធានចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានដើម្បីរសារសិទ្ធនៅក្នុងការបង្ហាញផតាងជាក្រោយទៀតបើសិនជាលោកប្រធានត្រូវការនៅថ្ងៃណាមួយបាទសូមអរគុណដំណើរការសកម្មភាពដូចជាការភាកដេញដោលចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយមសួរថាតើអង្គជំរះត្រូវការ ផោះតាងនៅពេលណាដូចជាចម្លែកដែរមេធាវីការពារក្តីបានទទួលសិទ្ធតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាវីនីដូចជាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំមកហើយបើគិតឆ្នាំ 2 ឆ្នាំដែរហើយតាំងពីពី2003មកដល់ពី2009ចិត្តដល់ដាច់ពី2009សម្ដនាការគេចិត្តចប់ហើយដល់ថាដាក់ផោះតាងថ្ងៃណានេះឆ្ងល់ដែរជាកតបកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់មេធាវីការពារក្តីត្រូវប្រឹងប្រែងនៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់ការទាំងអស់ដើម្បីបំពេញបំពេញផោះតាងហើយដាក់ មកអង្គជំរះហើយបញ្ជូនទៅភាគីដើម្បីឲ្យភាគីគេធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីហេតុផលទាំងឡាយនិងឯកសារផ្ទាំងនានាដើម្បីមានការឆ្លើយតបហើយតែម្ដងថ្ងៃនេះទៅម្ដងថាត្រូវការថ្ងៃណាថ្ងៃអោសានវិទ្យនៃការចុងក្រោយគឺអង្គជំរះបានជម្រាបរួចហើយអង្គជំរះមិនជម្រាបទៀតទេអំពីខុសតាងឯកសារនានាដែលមានហើយការដាក់នេះគឺដាក់ឯកសារចាស់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសំណុំរឿង ដែលជាបានប្រកាសការពីម្សិលមិញថ្មីៗទេអញ្ចឹងឱកាសចុងក្រោយនៃបញ្ហាដែលមានគឺត្រូវចប់នៅពេលដែលអង្គជំរះបិទការពិភាក្សាដេញដោលនេះជានីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងវិធានក៏ដូចជានៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានីតិវិធីរដ្ឋបាលវិនីកម្ពុជាដែលបានចែងច្បាស់លាស់អំពីនីតិវិធីនៃការដាក់ឯកសារនៃការ En ce qui concerne le cas suivant, la partie civile E2, barre de fraction 35,
Nous sommes là également dans la même hypothèse que le cas précédent, puisque le plaignant fait état de six de ses amis qui auraient été arrêtés et tués à S21. Nous n'avons là aussi aucune preuve d'un lien de parenté avec les victimes, et de même, nous n'avons authentifié aucun document prouvant le lien que ces victimes auraient pu avoir avec S21. Oui, Monsieur le Président, dans ce dossier, c'est en effet une personne qui vient afin de se constituer partie civile, car il a vu sous ses propres yeux ses amis arrêtés et amenés à Toussaint. Dans ce dossier particulier, il s'agit en effet d'amis. Il a évoqué dans sa déclaration le fait qu'il avait été extrêmement effrayé et qu'il avait une souffrance extrême de connaître le sort de ses amis. Je m'en remets dans ce cas à mes observations préliminaires sur la notion de proche. Sur la notion de proche, à partir du moment où il a en effet cette affliction, cette souffrance par rapport à la perte de ses amis et de voir que ses amis ont été amenés devant lui. Dans ces conditions, s'agissant d'une personne âgé, très âgé, que nous ne pouvons facilement contacter. Il est dans une région assez éloignée, au-delà de Ratanakri, et il est extrêmement difficile de le joindre, et son âge ne permet pas d'avoir des discussions à l'heure actuelle extrêmement importantes avec lui. Je laisse donc le soin à la Cour d'apprécier ce cas tout particulier. Concernant la plaignante indique que sa grande sœur, Pen Sopeak, aurait été détenue à Cholchlaï. Il s'avère que Mme Pen Sopeak, donc la victime, semble, selon M. Kengevi, être en fait la fille de Von Vett. Or, la plaignante indique, lorsqu'elle a déposé sa plainte, que le nom de ses parents était de son père Pen Morn et Chin Tan. C'est-à-dire qu'il y a, semble-t-il, peut-être une homonymie entre les noms de la plaignante, de la sœur dont elle fait état, et d'une personne qui aurait pu être détenue à S21. Mais l'état civil de la plaignante ne correspond pas à l'état civil de la victime dont elle fait état. Dans ce dossier particulier, il ne s'agit pas de la plaignante qui aurait pu être détenue à S21. ជើញមេធាវីតំណាងឯកឧត្តមរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រមពីរសូមអរគុណលោកប្រធានហើយចំពោះបញ្ហាពេញសុខេននេះគាត់មានបងស្រីរបស់គាត់នឹងពិតប្រកាសមែនពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់បានទៅពីនិតនៅកន្លែងមន្ត្រីទូតស្រ័យទៅគាត់បានឃើញរូបថតរបស់នៅបងស្រីរបស់គាត់នៅទីនោះហើយនេះហើយបានជាគាត់ សំអាងមិនមានសំអាងទៅលើឈ្មោះដែលថាស្រដៀងគ្នានេះគឺសំអាងទៅលើរូបថតផងបាទនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះមេត្តាជ្រាប
chơi mê tư vi ca phía đây bần tò tiết. Concernant la partie civile, mais tu veux connaître la tête dans le dame bandang Rabveni, la défense avait indiqué que dans cette hypothèse, le plaignant ne rapportait pas la preuve d'un lien de parenté avec la victime, de même n'était pas produit au dossier des éléments qui permettaient de rattacher la victime à S21. Les conseils de la partie civile nous ont donné hier soir ce document complémentaire. Ces documents complémentaires ne paraissent pas à la défense plus pertinents que les documents qui déjà figuraient dans le dossier. Le seul élément que l'on puisse trouver dans le dossier concerne des données biographiques qui auraient été établies relativement à l'une des victimes, le dénommé Pen Hume, mais ces données n'ont été établies que par DICICAM et ne proviennent pas de S21. Pen Hume nous que tham men dans son chaîne mok pi som pay mui nuti. Chơi mấy vị đầm nàng đang đang rót micro mui. សូមគោរពលោកប្រធាននិងសូមធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងមេធាវីការពារតេតតងតឹងនឹងកូនក្តីនាងខ្ញុំដែលមានអត្តសញ្ញាណ D25ឆ្លាស់15នេះដែលមានឈ្មោះស៊ុនសៀងនឹងតាមការសម្ភាសជាមួយគាត់ជាក់ស្ដែងគាត់បានជម្រាបឲ្យបច្ច័យបន្ថែមទៀតថាតេតតងឈ្មោះប៉ែនអ៊ំប៉ែនអ៊ំនឹងគឺជាត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយប៉ុន្មានជាបងប្អូនបកាទេដូច្នេះ តេតតងតឹងនឹងចំណុចហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងឯកសារដែលយើងពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារនៅក្នុងមន្ទីរស.21យើងមានប្រវត្តិរូបស្ដីអំពីប្រវត្តិរូបរបស់គាត់ទី1គឺជាប្រវត្តិរូបរបស់គាត់ដែលមាននៅក្នុងមន្ទីរស.21អូខេគឺនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងគឺបានសរសេរនៅលើក្បាលបញ្ជីនេះដាក់ថាមន្ទីរស.21ភ្នំពេញ នេះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញថាគាត់មានឯកសារនៅក្នុងមន្ទីរស.21ហើយចំណុចមួយទៀតឈ្មោះប៉ែនឈ្មោះប៉ែនអ៊ុំនឹងដែរក៏មាននៅក្នុងបញ្ជីកំតិចថ្ងៃចុះថ្ងៃទី15ខែ10ឆ្នាំ1977ឯកសារដែលតាក់ទងនឹងបញ្ជីកំតិចនេះគឺខាងក្រមមេធាវីយើងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាក់ទងទៅនឹង ដែលតាបេះបោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយយើងខ្ញុំក៏បានទៅបន្ថែមយើងខ្ញុំក៏បានរកបន្ថែមហើយយើងក៏បានកឹបបញ្ចូលដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកលជូនមេធាវីការពារនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីយើងមានការជប់សម្រាប់យើងខ្ញុំនឹងបកលជូនដើម្បីបច្ច័យបន្ថែមតែឯកសារហ្នឹងគឺយើងរកឃើញនៅក្នុង website មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះគឺជាចំណុចមួយដែលបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់កូនក្តីនាងខ្ញុំដែលនៅក្នុងទី21ដែលឡែកតាក់ទងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ដើមម្ដងរបស់វេនីផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះស៊ុនសៀងស៊ុនសៀងគឺគាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគឺជាត្រូវជាបងជីដូនមួយរបស់ឈ្មោះប៉ែនអ៊ុំ ហើយនៅក្នុងហ្នឹងសុនសៀងក៏បានបកលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់ដែលមាននៅក្នុងកំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះថាតាក់ទងទៅនឹងឯកសាររបស់គាត់ដែលមានកាលពីសម័យគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានអាយុ 70 ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងវ័យចំណាស់របស់គាត់កាលពីសម័យកម្ពុជាអធិបតេយ្យមានន័យថាគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយឯកសាររបស់គាត់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបគាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺត្រូវបានបំផ្លាញចោលអស់ហើយ ពីព្រោះថាមូលហេតុដែលគាត់ឈានឲ្យមានការបំផ្លាញចោលហ្នឹងគាត់មានការបិទកំតិចឯកសារទាំងនោះតាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណរវាងគាត់និងបងប្អូនជាដូនមួយរបស់គាត់ក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការបិទបំផ្លាញដើម្បីកិច្ចផុតពីការសង្កេតរបស់ប៉ាកម្ពុជាប៉ាអង្គការដែលហៅថាប៉ាកម្ពុជាជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយនឹងចំណុចមួយទៀត គាត់ធ្វើការបិទនឹងដើម្បីកិច្ចផុតពីការសង្កេតការតាមដាន
ីប្រវត្តិគាត់ដើម្បីឲ្យមានការរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បើគាត់មិនមានការលាក់បាំងនៅអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទេគាត់នឹងទទួលការសង្កេតឲ្យនាំឲ្យគាត់នឹងត្រូវបានគេចាប់យកទៅកំទេចចោលដូចឲ្យបងចដូនមួយរបស់គាត់ដែរដូច្នេះហើយដោយសារតតំណាក់តំណងរបស់គាត់នឹងហេតុផលទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញពីតំណាក់តំណងគាត់រវាងនឹងបងប្រុសចដូនមួយរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមខំប្រឹងរកស្វែងរកឯកសារបន្ថែមបើសិនជាមានឯកសារទាំងឡាយណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធបន្ថែមនាងខ្ញុំនឹងស្នើសុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបកគោជូននៅពេលក្រោយបើសិនជានាងខ្ញុំអាចរកឃើញឯកសារទាំងនោះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណជើញមេធាវីកាពីក្តីបន្តអនសុគីកនសឺនឡាប៉ាទីស៊ីវីលមេធាវីកានេសារ៉េសពេប៉ុនតនងដាក់បណ្ដងរដ្ឋវេនីអ៊ី2លឺ35ឡាភ្លីញ៉ាន់រ៉ូឡាតកនវីសុំជុលហ្វាំងអេលូរីថាក្រោយពីបានទៅទួលស្លែងគាត់អាចនឹងស្គាល់រូបថតពតលេខ567 aucun document au dossier លេខ566ប៉ុន្តែមិនមានឯកសារអ្វីនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលអាចបញ្ជាក់ថារូបថតនោះគឺថាតាមពិតជាមួយរបស់ photo n'a pas aucun nom nous ne pouvons même pas savoir en visu de la photo si elle concerne bien la personne mentionnée par la plaignante ដែលអាចបញ្ជាក់ថាជាឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះដោយដែលដើមនឹងរដ្ឋវេនីបញ្ជាក់នោះទេជើញមេធាវីតំណាងដើមរងរដ្ឋនីក្រុម2សូមអរគុណលោកប្រធានហើយតកតងទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលមានលេខ EP/35 ហ្នឹងអ្នកដាក់ពាក្យនៅក្នុងអ្នកដែលជាដើមរងរដ្ឋវេនីហ្នឹងគឺថាគាត់អះអាងថាជាក្មួយបង្កើតពិតប្រាកដមែនពីព្រោះគាត់នៅពេលដែលគាត់ទៅពិនិត្យមើលនៅមន្ទីរទួលស្លែងទៅគាត់ឃើញមានរូបថតរបស់ក្មួយគាត់គាត់ស្គាល់ហើយគាត់ស្គាល់នឹងគាត់សំអាងថាគាត់បានរស់នៅក្មួយរបស់គាត់នឹងបានរស់នៅជាមួយគាត់នឹងយូរហើយហើយនៅពេលមុននៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំរយៈពេលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាក្មួយរបស់គាត់នឹងធ្វើជាយោធាគេធ្វើជាយោធាទៅហើយទៅជួមុខទៅហើយក្រោយមកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដល់ពេលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនឡើងជានាំទៅណាទេសារបាត់ខ្លួនហើយគាត់មានក្មួយរបស់គាត់នឹងបានផ្ដាំផ្ញើគាត់ថាបើសិនតែគេបញ្ជូនគាត់បញ្ជូនលែងផ្ដាំម្ដងរដ្ឋអវ័យនេះនឹងទៅមុខសូមឲ្យទៅមុខរហូតហ្មងកុំឲ្យថយក្រោយបានន័យថាបើសិនតែជាថយក្រោយគេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនទៀតហើយតែតកតងបញ្ហានេះគឺថាគាត់គឺជាម្ដាយមីងជីដូនមួយម្ដាយមីងជីដូនមួយរបស់ជនរងគ្រោះនឹងហើយដោយសារតែយើងមិនបានឃើញឈ្មោះនឹងដូចជាថាឲ្យដូចស្តៀងស្តៀងគ្នាដោយសារតែម្ដាយមីងជីដូនមួយនឹងគឺថាម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះនឹងគឺត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ទៀតបាទដល់ពេលត្រូវបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងទៅទៅពេលដែលដាក់លញឈ្មោះយើងមើលឈ្មោះនោះឃើញដាច់គ្នាគឺថាមិនស៊ីគ្នាត្រង់ថាម្ដាយមីងម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះនោះត្រូវជាបងប្អូនជដូនមួយរបស់អ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ខំស្វែងរកបញ្ជីឯកសារឬប្រវត្តិរបស់ជនរងគ្រោះនោះដែរប៉ុន្តែគាត់រកមិនបានរកមិនឃើញគាត់ស្គាល់តែរូបថតហើយមានរូបថតនឹងបញ្ជូនមកទៀតគ្រាន់តែអត់មានសរសេរឈ្មោះពីក្រោមនឹងទេហើយបើសិនជាយករូបថតមកគាត់សរសេរឈ្មោះបន្ថែមទៅអានឹងវាជារឿងយើងទៅសរសេរបំពេញបន្ថែមទេបើសិនជាវាមានតាំងពីចំនួនស21មកអានឹងយើងទុកថាជារូបជាឈ្មោះនឹងនៅទីនោះយើងមិនអាចសរសេរបន្ថែមបានទេទៅក្នុងរូបថតនោះបាទហើយសូមអរគុណប្រធានសូមមេត្តាទទួលយកជើញមេធាវីដើមរងអំទ្វីមេធាវីការពារក្តីបន្ត
En ce qui concerne E2, barre de fraction 38, le plaignant indique que son oncle aurait été arrêté et détenu à Tsoslang. Même observation que précédemment, dans la mesure où nous n'avons au dossier aucun élément relatif au lien de parenté entre le plaignant et la victime, et qu'il existe également aucun document prouvant que la victime aurait été détenue à S21. Notamment, la défense n'a pas retrouvé sur la liste des prisonniers de S21 le nom de cette victime. Monsieur le Président, la partie civile et Madame Itchechol, et je précise tout de suite, le nom de son père, qui est d'ailleurs indiqué dans les documents qui ont été remis au dossier, puisque son père s'appelle Sos-ta-it, et que la personne victime et l'oncle de ma cliente, oncle de la cliente qui s'appelle Sos-el, qui est bien le frère de, du père de Madame Itchechol. En ce qui concerne la preuve du lien de parenté, donc nous avons déjà cet élément. Nous avons fait le nécessaire, comme dans tous les dossiers, auprès de nos parties civiles et plus particulièrement auprès du réseau d'associations qui actuellement est en train d'essayer de recueillir des informations complémentaires, notamment les preuves concernant le lien de parenté. Nous devons dans ce dossier recevoir incessamment sous peu, normalement cette semaine, cet élément particulier que nous prouverons, que donc nous donnerons au dossier. En ce qui concerne le lien S21, il s'agit d'une personne qui a été arrêtée le 17 avril 1975 alors qu'il vivait avec son épouse à Phnom Penh. Il était considéré, c'était un intellectuel, et il était considéré comme appartenant au régime de Lon Nol. Nous savons tous que ce jour-là, de nombreux intellectuels, cadres, fonctionnaires ont été arrêtés et ont été incarcérés à S21. Il n'y a en effet pas de documents qui ont été retrouvés concernant cette personne. Et S21, mais le témoignage de Madame Itchechol, sa déclaration, laisse penser que cette déclaration est tout à fait crédible et qu'en effet, il est fort vraisemblable que cette personne ait été incarcérée et écrasée à S21. Je pense donc que cette déclaration est tout à fait cohérente et que vous devrez la retenir en ce sens. Je crois avoir fait une erreur dans ce dossier, Monsieur le Président, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. J'avais en effet, dans ce dossier, j'ai fait une erreur de dossier, j'avais en effet déjà dans ce dossier deux documents confirmant, excusez-moi, le lien de parenté. C'est les codes ERN 0027487 et codes ERN 0027485 89 qui
Il s'agit là de, en effet, deux attestations de personnes qui connaissent parfaitement ma cliente et qui ont pu donner tous les éléments utiles en ce qui concerne le lien de parenté avec son oncle. Au regard des informations préliminaires que j'ai données précédemment, je vous demande donc de recevoir et de ne pas faire opposition à cette constitution de participe. ដែលដល់ម៉ោងសំត្រូវសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាប់ 20 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11 ខ្វះ 10 នាទីអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការរបស់យើងសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ